tu commences la marche avec Jésus et que tu t'arrêtes, alléluia, tu perds ta récompense. Amen. Jésus-Christ est venu. Il a prêché. Il a fait des miracles. Il a guéri les malades. Alléluia. Et il est mort à la croix. Amen. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Avant d'aller, il a promis le Saint-Esprit. Il a promis de revenir. Alléluia. Amen. Et il a promis de rester avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais il a avec nous en esprit. Alléluia. Amen. Et dans cette promesse encore, il doit revenir. Alléluia. Il doit revenir en tant que fils de l'homme. Alléluia. Il doit revenir en chair. Alléluia. Régner en terre. Mais lorsque le Seigneur apparaîtra dans les airs, lorsque le Seigneur reviendra, alléluia, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Alléluia. Gloire à Jésus. Le dernier message ce matin est ceci. Quand le Fils de l'homme, Jésus-Christ, viendra, te trouvera-t-il dans la foi? Quand Jésus viendra, va-t-il te trouver dans la foi? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que Jésus va-t-il te trouver en plein et dans la foi, bien tu seras seulement dans l'église? Est-ce que tu seras seulement dans l'église ou bien il va te trouver dans la foi? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Alors. Luc 18, le verset 8. Luc 18, le verset 8. Luc chapitre 18, le verset 8. Pierre, mais si Pierre adore, il le fait. Alléluia. La
sa vie. Il n'a pas de garde de personne. Il ne craint pas Dieu. Alléluia. Pourquoi vas-tu faire justice pour la femme? Amen. Pour la femme veuve. Donc le monsieur de la femme veuve était en train de traîner. De traîner. Alléluia. Il y a des gens, ça fait déjà des mois, des années. Amen. Vous êtes en train de prier pour quelque chose. Amen. Mais ça t'attaque. Alléluia. C'était comme ça. Mais la Bible nous dit ceci. Verset 4. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, le juge a refusé de faire justice à la veuve. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, il a regardé ses gens et dit, mais si moi, à la fin de grâce, ça me dit bien. Amen. Il dit, quoique je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, et ça que joue la femme ne veut que revenir. Seigneur, fais-moi justice. Alléluia. Comme quelqu'un crie, Seigneur, accorde-moi ça. Seigneur, accorde-moi ça. Alléluia. Amen. La Bible dit, il dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, importuner c'est quoi? C'est empêcher de me dormir. Alléluia. Amen. Il dit, parce que cette veuve m'empêche de dormir, il dit, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne sans cesse me rompre la tête. Alléluia. C'est-à-dire, la façon dont la femme est en train de réclamer justice, c'est comme si ça veut briser sa tête, quoi. Il se sent maintenant dérangé. Il dit, même si je ne crée pas Dieu, même si je ne regarde personne, mais là, cette fois-ci-là, je vais faire justice à cette femme. Alléluia. Amen, amen. Et le Seigneur nous dit. Amen. Le Seigneur ajouta. Entendez ce que dit le juge unique. Dit, voyez ce que dit le juge unique dans cette affaire. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à celui, toi qui es élu de Dieu, toi que le Seigneur a choisi. Amen. Toi que le Seigneur a mis à part, ne peut-il pas te faire justice? Amen. Il dit qu'il crie à lui, jour de lui, tardera-t-il à leur égard? Amen. Mais si les gens pensent que ça tarde, mais si tu penses que ça tarde, alléluia. Amen. Continue, le Seigneur dit qu'il ne va pas tarder à ton égard. Amen. Alléluia. Mais lorsque tu prends les bras, lorsque tu relâches, tu dis, ah, j'ai couru trop là-bas, on m'a pas accordé, j'ai demandé, j'ai trop déposé les dossiers, je n'ai pas eu ce travail, ah, il y a plusieurs hommes qui sont venus, qui sont partis, le mandat n'est pas venu, ah, il y a plusieurs années, cette guérison à tarde. Alléluia. Le Seigneur dit, je vous le dis, il est fort, il est fort, prontement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Amen. Nous sommes dans la foi. Amen. Mais si nous ne sommes pas dans la foi, nous sommes dans la foi, quitte. Alléluia. La foi qui la tête. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, quand il viendra, va-t-il te trouver dans la foi? Est-ce qu'il va te trouver en train de lui faire confiance? Alléluia. En train de mettre ta foi en lui, tu vas encore t'accorder. Alléluia. Ça peut être une bénédiction que tu es en train de demander. Alléluia. Amen. Amen. Mais un autre aspect, c'est que notre salut est lié à la foi. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce, au moins de la foi. Ah, c'est la foi qui est le pont. Si le pont est coupé, la foi, le salut ne vient pas. Amen. 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 Le pont qui nous conduit au salut, c'est la foi. Alléluia. Lorsque ce pont-là est coupé, lorsque ce pont-là n'existe pas, la grâce ne peut plus sauver. Alléluia. La grâce ne peut plus arriver jusqu'à toi pour te sauver. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Si tu confesses le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ok. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as décidé de suivre Jésus. Amen. Tu as écouté l'évangile, tu as cru. Alléluia. Tu lui as confessé depuis ce jour-là. Amen. La parole de Dieu t'accorde cette promesse. Le Seigneur.
Seigneur t'a fait cette promesse de salut. Amen. Mais pour arriver pleinement à ce salut éternel, amen. Amen. Il faut que tu demeures dans la foi. Alléluia. Mais Jésus-Christ savait, amen, que bien qu'il est venu, il a fait des miracles, il a fait des prodiges, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a donné la vie aux aveugles. Alléluia. Les paralytiques ont massé, les yeux attendus, les cellules enfantées, mais celle qui saignait pendant 12 ans, 12 ans, elle a saigné, elle a été guérie. Alléluia. Tout ceci-là a été fait et ça a été écrit, les témoignages étant là. Les apôtres, après Jésus, ont continué à reprendre l'évangile. Amen, amen. Jésus savait que l'ennemi allait se lever un jour pour combattre cette foi. Alléluia. Amen, amen. Alors, mais est-ce que à nous permettre que l'ennemi nous voit notre foi? Alléluia. Est-ce que va-t-il permettre que Jésus qui vous a dit, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi? Est-ce que quand il viendra, il va te trouver dans la foi? Ou il va te trouver maintenant? Tu dis, ah non, le mariage est attendu, je vais sortir, je vais me débrouiller dehors, je vais prendre une femme, je vais faire enfant avec elle, et puis je vais prendre une soeur sans rentrer coucher, mais sans savoir, on va rentrer la bataille avant l'argent. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ou bien va-t-il dire, ah, comme l'homme là ne vient pas, ok, bon, les personnes qui viennent, ok, je vais acheter, puis moi je vais continuer à aller à l'église. Alléluia. Amen, amen. Quand tu le fais, tu as permis la foi. Amen, amen. Alléluia. Voilà Jésus. Amen. Si tu dis aussi, regarde, le tabac à la table. Et puis quand je vais pour passer, on me dit, il faut les gens qui ont entre 18 ans à 24 ans. Et moi, j'ai déjà passé. Qu'est-ce que je vais faire? C'est bien du mieux. Bien aimé, tu es dans la foi comme ça? Alléluia. Est-ce que tu es dans le marché dans la foi? Amen. Si c'est lui qui revient te trouver dans cette situation. Alléluia. La foi ne serait pas dans ta terre. Alléluia. Ton cœur là, il n'aura plus la foi. Alléluia. Et sans la foi, ah, il n'y a pas de pont entre Jésus et toi. Alléluia. Le pont est coupé, le pont c'est la foi. Il faut que tu crois. Alléluia. Amen, amen. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Le ciel les a fait sortir. Avec sa main puissante, il les avait traversé la mer rouge. À sec. Alléluia. Ils ont traversé. Dans le désert, le ciel les donnait à manger. Alléluia. Mais ce peuple a murmuré. Alléluia. Ils ont douté. Amen. Lorsque tu doutes, alléluia, tu ne peux pas être arrivé avec lui. C'est pas toi. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu dois avoir l'assurance. L'assurance. Une confiance totale en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Si tu restes en marche avec Jésus, et puis tu trouves que, ah, non, la masse chrétienne là, est-ce que qui sera sauvé? Alléluia. Ça veut dire que tu n'es plus dans la foi. Amen. Quand tu vois un chrétien dire ça, la rétrograde. Amen. Alléluia. Voilà Jésus. Parmi ceux qui sont sortis de l'Égypte, alléluia. De ceux qui sont sortis de l'Égypte, deux sommes et deux enfants nous ont fait la sortie. À cause de quoi? Alléluia. À cause de doute, les choses ne sont pas rentrées. Amen. Ils ont nombre 14, verset 3. Nombre 14, verset 3. Verset 3. Nombre 14, verset 3.
Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? Où nos femmes et nos petits enfants ne viendront nous voir? Ne faut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Alléluia. Voilà l'Éternel les a fait sortir. Ils sont en train de marcher, en train d'aller posséder la bénédiction qu'il était déjà envoyée. Comme quelqu'un qui s'est converti. Amen. Ah, il a mis sa foi à Jésus. Il a abandonné les fétiches qu'il mettait, les talismans qu'il avait, les bagues de protection qu'il avait. Ok? Il a tout abandonné. Amen. Mais il s'est dit, il reste à Paris. Ah, regarde. Ah, c'est dans cette masse là, c'est difficile. Il y a des combats, il y a des attaques. Alléluia. Il y a des oppressions. Est-ce que je vais pas encore revenir prendre les bagues de protection là? Est-ce que je ne vais pas aller prendre le fétiche que adorait mon père là, qui avait fait que lui n'avait jamais perdu d'enfant, n'avait jamais enterré ses enfants? Est-ce que je ne vais pas aller chercher? Alléluia. Comme ça, ils ont pensé. Ils ont dit, si on va devant là, les carrés là, ils sont grands. Ils sont grands de taille. Ceci là, nous allons tomber par là. Alléluia. Ils ont douté que l'Égypte était un pays puissant. Alléluia. Ils ont douté que l'Éternel les a arrachés de sa main puissante. Alléluia. Il les a fait traverser la mer rouge à sec. Alléluia. Ils ont oublié tous les prodiges que l'Éternel a opérés en Égypte. Alléluia. Lorsque tu pries, alléluia. Amen. La main puissante de l'Éternel. Et ne te fais plus confiance, tu n'es plus dans la foi. Amen. Ce matin, c'est un examen. Chacun examine son cœur. Pour savoir est-ce qu'il est dans l'église ou bien il est dans la foi. Parce qu'on peut être dans l'église, on n'est plus dans la foi. Amen. Ce n'est pas celui qui est dans l'église qui ira au ciel. C'est celui qui est dans la foi. Alléluia. Amen. Ceux qui viennent à l'église, et tu as perdu la foi, tu viens par religion, ça ne sert plus rien. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, au verset 6, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, Caleb, fils de Jephunné, dessinèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Alléluia. Les deux hommes de foi ont dessiné leurs vêtements. Il dit, ah, pourquoi avons-nous perdu la valeur comme ça? On ne permet pas. Alléluia. Il se dit, prenez courage. Depuis que nous avons vu là, c'est un pays très excellent. Bon, ce pays-là, on doit posséder. Alléluia. On peut. Celui qui nous a fait sortir d'Égypte là, il peut le faire. Alléluia. Amen, amen. Je vous dis, pendant ce moment-là, ils ont fini avec Moïse et Aaron. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et bien aimé, ce ne sont que ces deux qui ont pu rentrer. Amen. Regardons le verset de 4. La nuit passée que mon chef Caleb avait été animé d'un autre esprit. Dès qu'il a pleinement suivi ma foi, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Alléluia. Amen. Deuxième nuit passée que il a pleinement suivi sa voix. Il ne s'est pas détourné parce que, Caleb a son gros. Il n'a pas douté avec Josué. Alléluia. Josué est déjà le seul promet. Amen. Que ce n'est pas lui, le peuple doit l'appeler. Alléluia. Amen. Et lui, Caleb aussi, le Seigneur dit, lui, parce qu'il a suivi sa voix pleinement, il n'a pas douté, lui aussi va rentrer. Et ses enfants vont posséder. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais ceux qui ont douté là, ils ne sont pas rentrés. Le Seigneur les a arrêtés 40 ans dans le désert.
Alléluia. Avant d'arriver les 40 ans, ils sont tous morts. Ce 20 enfants, ils ont fait dans le désert. Alléluia. D'ailleurs, depuis leur sortie d'Égypte. Amen. Ainsi que Josué et Caleb sont rentrés. Alléluia. Caleb était encore. Alléluia. Il était encore résistant, encore jeune. Comme ça, il était comme un jeune, quoi. Alléluia. Il avait une vigueur encore extraordinaire. Alléluia. On peut la voir en Jésus par la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pour que tu ne fasses pas naufrage, alléluia. Il faut que tu te fasses connaître ton Dieu. Il te faut connaître le Seigneur Jésus. Alléluia. Il te faut le connaître véritablement. Mais tu ne peux pas le connaître si tu ne médites pas la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas le connaître si tu n'as pas de communion avec lui. Si tu n'as pas d'intimité avec lui. Amen. Si toi, tu ne pries que 10 minutes, 20 minutes, alléluia, et c'est fini. Tu ne vas te prier quand tu veux dormir. Alléluia. Tu ne pries que quand tu veux dormir. Quand tu veux dormir, peut-être le matin, tu vas oublier moi. Alléluia. Parce que là, tu penses que tu es Dieu pour, tu peux prendre, tu peux comprendre les choses de toi. Alléluia. Amen. 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 Ta vie de prière. Alléluia. Amen. Minimum là. Alléluia. Doit être. 3 heures. 2 à 3 heures par jour. Alléluia. Amen. 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 Tu dois avoir un temps de communion avec le Seigneur. Où tu loues le Seigneur. Où tu l'adores, où tu médites la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Où tu es dans la prière. Où tu gères, tu pries. Alléluia. Amen. Sinon, l'ennemi viendra te dire non. Mais, où tu te trompes, Jésus a dit, il vient depuis combien d'années? Il y a plus de 2000 ans. Tu l'attends encore. Tu es là en train de regarder qui vient. Alléluia. Et quand tu vas croire ça, c'est fini. Alléluia. Tu vas essayer à rouler dans le péché. La tombe va faire. Pam, 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 pam. Ah. Tu regardes et le frère est parti. Le frère Michel est monté. Alléluia. Amen. Oh, tu viens, tu regardes à l'église. Les gens sont partis. Alléluia. Alléluia. Parce que toi, tu as habité. Et le fait que tu as habité, tu as oublié l'éternité. Amen. Tu as pensé que tout c'est sur la terre. Il faut faire ta vie. Alléluia. Amen, amen. Où le but de te dit, non. C'est une idée. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as parlé les messes? Regarde-moi, tu es une vieille. Alléluia. Si je mets les récords, les fossiles, les faux hommes là, les jupes mini, les jupes serrées, les pantalons par la pompe va sortir. Ah, les clients vont plus venir. Alléluia. Quand tu tombes dans ça, tu essaies de le faire pour une minute, à la minute ou la nuit qui suit, si Jésus vient. Alléluia. Tu seras plus dans la foi. Amen. Amen. Amen, amen. Il y en a qui se disent être dévoués, alléluia, mais quand ils sont dans certaines églises, alléluia, ils apprennent les couturiers, les messes, les bruits, les fossiles, ils ne croient pas ça. Amen. Ils croient que ça ne vient pas de Dieu, ils sont abandonnés. Mais après les hommes, quand ils veulent se marier, on leur dit non. Mais il faut te marier un peu. Il faut te rendre bien. Alléluia. Amen. Il va aller faire ça. Quand tu fais ça, Jésus-Christ vient. Amen. Si les faux hommes restent sur tes mains et que l'enlèvement se produit, penses-tu que ça va aller au ciel? Alléluia. Amen, amen. C'est toi qui vas voir une ancienne copine, un ancien copain qui dit, ah, non, là,
après je vais demander pardon à Dieu, mais je vais pas dire, on va aller combien de péchés. Donc déjà, Dieu qui te libère, où vas-tu aller? Où ira ton âme? Alléluia, tu ne seras plus dans la foi. Amen. Voilà Jésus. Amen. Daniel 1, verset 31. Je dis au nom de Jésus. Il ne servira pas des fratries, les prêtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. David dit, dedans là, il va servir par fratrie. Regarde comment tu es beau. Si tu mettais comme ça, ou bien si tu regardes comment tu es, mais si tu mettais ça sur toi, ça serait encore très bon. Alléluia. Alléluia. Et je viens. Amen. La Bible dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils vont agir avec fermeté. Ils vont rester fermes. Alléluia. Quand la séduction vient, quand la tentation vient, alléluia. Quand la persécution vient, amen. Pour les pousser à parler la foi. Lui, il connaît son Dieu. Alléluia. Lui dit, moi et Jésus. Vivre avec Jésus, mourir avec Jésus. Amen. Il dit, mais si vous voulez me tuer, tuez-moi. Mais moi, je ne me séparerai pas de lui. Même si tu me donnes, c'est-à-dire de ne plus manger chez toi. Mais moi là, je ne vais jamais abandonner Jésus. Parce que abandonner Jésus, c'est abandonner la vie éternelle. Alléluia. Abandonner Jésus, c'est accepter la mort éternelle. L'enfer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Donc il te faut connaître ton Dieu. Alléluia. Pour pouvoir demeurer fermement. Et le Seigneur Jésus alla aussi reposer à l'église. Amen. C'est une chose. Alléluia. Amen. Par lesquelles j'étais en train d'aller dans le décor. Apocalypse 2. Il parle à l'église de Père. Il dit au verset 2. Apocalypse 2, verset 2. Jusqu'à ce. Verset 2. Je connais tes œuvres. Jésus dit, je connais tes œuvres. Ce que tu fais là. Bien aimé, Jésus connaît certains de nos œuvres. Ton travail. Ton travail. Et ta persévérance. Il dit ta persévérance. Ta façon de persévérer, je connais ça. Je sais que tu persévères. Il y a eu des persécutions. Mais toi, tu n'as pas abandonné la foi. Je vois les œuvres, ce que tu fais dans mon temps, les mensonges que tu vois, je fais. Amen. Quand tu pries pour les frères et sœurs, quand tu pries pour le réveil, quand tu gères, je vois. Amen. Quand tu fais du bien, je vois. Alléluia. Oui. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Il dit, je sais que toi, quand tu vois les méchants, là, tu ne peux pas supporter. Que tu as éprouvé ceux qui te disent apôtres et qui ne le sont pas. Alléluia. Et que tu les as trouvés menteurs. Il dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as même éprouvé ceux qui se disent apôtres. Alléluia. Il y a des gens qui se disent apôtres, qui se disent pasteurs, qui se disent prophètes. Alléluia. De ce que les gens éprouvés, tu as trouvé menteur. Parce qu'il y a des prophètes aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. C'est le mensonge. Alléluia. Le prophète, il ment. Alléluia. Il est pasteur, il suit la femme des autres. Amen. Il est dans les copinages. Alléluia. Amen. La vie, tu les as trouvé menteur. Oui. Qui ne le sont pas et qui ne les appris maintenant, oui. Que tu as de la persévérance. Le Seigneur te témoigne que tu as la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. C'est pas tout le monde est persévéré. Va ici. Alléluia. Il y a peut-être qu'il y a des gens ici. Amen.
qui ne persévère pas, mais tout le monde doit persévérer. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici qui ont jamais été tentés ou bien persécutés à un certain niveau. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu es persécuté, quel que soit, même si c'est la mort, c'est... Daniel a été cédé dans la poche du lion, mais il n'a pas renié son créateur. Et les lions de ciel ont fermé leur bouche. Amen. Les lions ne lui ont pas fait du mal. Le lendemain matin, le roi n'a pas dormi, il est venu demander et Daniel a répondu. Le roi même les dit après sortir. Et les gens qui ont poussé le roi à jeter Daniel dans la fosse, ceux-ci ont été jetés. Avant de descendre le front là, les lions ont fini les déchirer. Amen. 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 C'est par la foi. Alléluia. Shadrach, Abednego, Meshach, ils ont été jetés dans la fournaise de feu. Alléluia. Quand on les a demandé s'ils n'adorent pas la statue faite par des Nebuchadnezzar, ils doivent être jetés dans le feu. Ils ont dit, eux, ils ne vont jamais adorer cette statue. Alléluia. Mais si toi tu es tenté comme ça, tu verras quoi. Amen. Amen. Quelqu'un te dit, si tu ne couches pas avec moi, je vais te tuer. Il a couteau en main. Il va céder. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Mais si tu n'adores pas cette statue, si tu n'adores pas ce fétiche, je vais te tuer. Il présente quelque chose comme ça là. Vous avez croisé quelque part dans un couloir, il te dit ça là. Si tu ne fais pas ça, je vais te tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu dois demeurer dans la foi. Amen. Il dit sur quoi? Il dit tu as de la persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom. De celle que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lâché. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as volé ton premier amour. Dis avant là, tu me mets. Alléluia. Mais tu as volé ton premier amour. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu as volé ton premier amour, tu t'en fais d'avoir la foi. Le Seigneur te voit en ce moment en train d'aller vers le frère. Alléluia. Il avait dit l'église d'Éphèse pour que l'église d'Éphèse revienne à son premier amour. Alléluia. Amen. Afin que son appréciation soit totalement bon. Amen. Restez là. Non, Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. Repens-toi. Et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Quand tu t'es converti, tu priais, tu jeûnais, tu évangélisais, tu étais chaud dans les choses de Dieu. Mais maintenant là, il n'y a pas ça. Alléluia. Amen. Amen. Non, même plus de temps pour méditer. Et ça, c'est la parole là. Amen. C'est ta belle ton premier amour. Alléluia. Amen. Amen, amen. Okay. Amen. Le verset 9. Amen. Non. Je connais ta tribulation. Il parle à l'église de Simi. Rien ta pauvreté. Il dit, je connais ta tribulation, la souffrance, la persécution. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, je connais ta tribulation, oui. Ta pauvreté. Le Seigneur dit, je sais que tu n'as pas les moyens. Amen. Il dit, les gens disent que tu es pauvre, je sais ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. Oui. Ça, c'est une église que le Seigneur s'adresse. Rien que tu sois riche. Il y a des églises ici qui ont des grands bâtiments climatisés, n'est-ce pas? Amen. Quand ils vous voient, amen. Après, mais les cesser de le vivre. Bonne joie. Bonne nécessité à son pauvre. Alléluia. Amen, amen. C'est pas ça? C'est une bonne cas. Alléluia. Oui, le Seigneur dit, oui. Bien que tu sois riche. Il dit, bien que tu sois riche. Le Seigneur dit, moi je sais que tu es riche. Le Seigneur Jésus sait que tu es riche. Quand tu as Dieu, tu as tout cas. Quand tu as Jésus, tu as tout. Amen.
Alléluia. Amen. Oui. Il y a même des gens qui se disent juifs qui te calomnient. Ou qui se disent chrétiens qui te calomnient. Et regardez. Lui, il sait le point, c'est le point. À cause de ça, il a perdu le travail. Mais à cause de ça, il n'arrive pas à se marier. Alléluia. Il n'arrive pas à se marier. Oui, mais il est la seule qui n'est pas pour se marier. Alléluia. Plutôt, ça te garantit. Pourvu que là où tu rentres là, que ça soit un paradis pour toi et non un enfer. Alléluia. Amen, amen. Oui. Il se dit juif, mais ils ne le sont pas. Là, il se dit juif, ils ne le sont pas. Là, il se dit chrétien, mais ils ne le sont pas. Là, ils sont une synagogue de. Vous voyez, quand on parle de synagogue, c'est où? C'est un lieu de prière. Alléluia. Ils sont là. Le Seigneur dit, et c'est dit super, dit que c'est une synagogue de Satan. C'est des chrétiens, mais là-bas, c'est un temple de Dieu. Amen. En réalité, chrétien ne calomnie pas. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu ne calomnie pas. Oui. Ne crains pas que tu vas souffrir. Le Seigneur dit ne crains pas ce que tu vas souffrir. Amen. Même si tu es persécuté, même si tu es alléluia. À cause de la sainteté. À cause de la sainteté. À cause du Seigneur Jésus. Alléluia. Même si on se moque de toi. Amen. Même si tout le monde se regarde, il regarde comme quelqu'un qui est devenu fou ou fort. Alléluia. Le Seigneur dit ne crains pas ce que tu vas souffrir. Même ceux qui sont en prison. Amen. Il ne crée pas ce qu'il va souffrir. Oui. Voici le diable, je dirais quelques-uns de vous en prison. Il ne vient pas me dire que vous êtes parmi en prison. Alléluia. Donc, je viens crédit pour les états en prison. Voici la poutre qui est dans le prison. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Quand vous avez vu qu'il est en prison, à cause de l'évangile. Alléluia. Et dans la version de l'évangile, il y a une dame qui sort pour dire que de s'évanouir, que c'est la mosquée, et le frère lui porta à évangéliser. Il y avait un jeune forestier qui faisait taxi moto. Il dit à la dame, mais ici il est au bord de la route. Ok? Ah! La dame est venue maintenant pour se jeter sur le fils. Ok? Et ces enfants sont en train de venir par derrière pour s'attaquer à ce jeune taxman. Ce jeune taxman, alors, il veut prendre position de, comme ça, et puis, sa main a touché la femme, et puis la femme a été blessée. Comme elle est responsable dans le quartier, le chef de quartier, elle a pris le maire. Alléluia. Le maire appelle directement. Les policiers. Les policiers se rendent sur les lieux. Amen. Quand ils se sont rendus, ils ont pris les trois jeunes pour les jeunes. Là, il y a l'autre qui était quasiment là. Il y a un de ces petits qui venait. Ok? Lui, il venait de se parer avec les autres. Notre bien-aimé qui est basé, nous n'avons rien fait dans tout cela. On les prend les trois, on les met en prison. Alléluia. Quand ça arrive, tu vois qu'on a évangélisé. Amen. 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 Alléluia. Je préfère aller en prison que Jésus. Alléluia. Lui a été en prison. Et vous savez que la prison s'est ouverte. Alléluia. Amen. Quand les choses ont continué à prier, les gens voient ces gens ouvrir la prison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Même si ça ne s'ouvre pas. Alléluia. Tu dois croire. Et non douter. Amen. Que même dans la prison, Jésus peut faire quelque chose. Alléluia. Dans la prison, de bien-aimé va nous. Alléluia. Amen. Après avoir examiné tout, on a trouvé que il avait rien fait. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. On a été traduit nous à la salamine. Arrivé, le Seigneur nous a aussi transformé que nous. Alléluia. Amen. Parce que là où il y a la vérité, là, il y a la persécution. Oui. Après
Et ça va arriver pour que vous soyez prêts pour voir est-ce que tu as la foi. Amen. Amen, amen. Oui. Et vous serez une tribulation de 10 jours. Le ciel avait même étalé le temps qui dit 10 jours de tribulation, de persécution. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Il parle à l'église de Smyrne. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. C'est-à-dire, même si c'est jusqu'à la mort, c'est jusqu'à mourir là, ne réduis pas. Alléluia. Amen. Ne renonce pas. Ne fais pas de frais de foi. Alléluia. Amen. Va jusqu'au bout. Sinon, ta souffrance là sera vaine. Alléluia. La Bible dit si un juste se détourne de sa justice pour commettre l'iniquité, je mettrai un pied devant lui. Il mourra parce qu'il n'a pas averti. Et la Bible dit, sa justice sera oubliée. Alléluia. Parce que c'est devenu la justice. Mais un méchant aussi qui s'est devenu la justice, est la méchanceté pour pratiquer la justice. Amen. Le Seigneur oublie ce qu'il a fait. Alléluia. Et voilà la fin. Amen. La fin de tous ceux qui sont. Alléluia. Tu ne peux pas commencer et se décourager. Amen. Amen. Oui. Verset 11. Celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà Jésus. C'est ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il dit aux églises. Alléluia. Amen. Celui qui est l'Esprit, c'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. Que celui qui a les oreilles attend. Amen. Amen. Que celui qui a les oreilles attend. Oui. Les gens entendent. Au verset 18. Verset. Donc, verset 13 à 16. Au début de faire garde. Verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais, mais je sais où tu demeures. Écrit de faire garde. Là où tu demeures là. Oui. Là est le trône de Satan, là on ne veut pas parler de Jésus. Jésus dit, je sais ça. Je retiens mon nom. Là-bas là, c'est les yeux du diable. Mais là-bas là, tu retiens mon nom. Oui. Jésus. Et tu n'as pas renié ma foi. Jésus dit, et tu n'as pas renié. Même au jour dans tout ça, mon témoin fidèle qui a été mis à mort, je vous l'offre Satan à sa vie. Alléluia. Oui. En ce lieu où se trouvait l'église de Pergame, alléluia, il y a un homme qui s'appelait Antipas, alléluia, qui rendait témoignage de Jésus-Christ dans le Saint-Évangile, alléluia. La Bible, il a été mis à mort. Bien que cela est arrivé, amen. Le Seigneur, là-bas, il y a le trône de Satan, il y a sa demeure, alléluia. Il dit à l'église de Pergame que tu n'as pas régné ma foi, alléluia. Tu n'as pas cessé, l'église de Pergame n'avait pas cessé de croire Jésus. Alléluia. Oui. Mais les gens ne le voient quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui peut lui pousser à l'université. Mais c'est quelque chose contre toi. Oui. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Alléluia. Qui enseignait à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël. Alléluia. Pour qu'il ne mangeât des viandes sacrifiées pour Sidon et se lui à l'église. Amen. La doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est une fausse doctrine. Alléluia. La doctrine de Jéhovah, c'est une fausse doctrine. Mais la doctrine de Balaam, quand nous prenons la doctrine de Balaam, qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam a enseigné à Balaam. Parce que Balaam était un magicien. Alléluia. Mais qui le Seigneur avait utilisé à un moment donné. Alléluia. Et le Seigneur, lorsqu'il utilisait, ce qu'il déclarait, ça arrivait. Amen. Alors, lui maintenant, le roi Barak envoie des gens vers lui pour dire, le peuple d'Israël qui vient là, il faut les maudire pour moi. Parce que je sais que ce que tu maudis sera maudit. Et ce que tu veux sera béni. Amen. C'est comme ça qu'on a dit à Barak. Mais l'Éternel lui dit, quand il a projeté l'Éternel lui a dit que ce peuple est béni. Que personne ne peut venir
Et maudit ce que lui il a. Amen. Le Seigneur lui dit de ne me pas aller. Amen. Mais il continuait à demander. Alors le Seigneur lui permet d'aller. Et quand il s'est mis sur la route, d'abord, premièrement, il va voir son cheval qui va se coucher. Comme ça. Parce que le cheval a vu un ange avec l'épée. Alléluia. Amen. Et c'était pour lui de décapiter. Amen. Parce qu'il a pris une voie permissible. Alléluia. Et voilà, quand son cheval s'est couché, lui, il tape le cheval et le cheval part. Alléluia. Le Seigneur apparaît à travers le cheval, il dit pourquoi tu le frappes. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui dit que si le cheval ne s'était pas couché, si le cheval était parti, il allait être couché. Alléluia. Mais le Seigneur lui permet d'aller. Mais il dit, mais quand tu vas, dis-lui ce que tu dis. C'est-à-dire, de ne pas maudire le peuple d'Israël. Amen. Quand il a vu que là-bas, il ne peut pas le faire, quels que soient les avantages qu'on lui a promis, il fait maintenant quoi? Il dit à Barak, le roi, il dit, vous faites quelque chose. Vous pouvez cesser à aller donner vos filles en mariage. Vous prenez les filles en mariage. Comme ça, sort. Ils vont commencer à donner vos idoles et leur Dieu va les abandonner. Amen. C'est ce qu'il a fait. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles. Parce que quand ils épousent les païens, amen. Alléluia. Ils vont arriver vers Dieu. Les païens, s'ils font sacrifice, ils vont leur demander de manger. Alléluia. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël est rentré là. Amen. Or, le Seigneur les avait dit de ne pas prendre, c'est-à-dire de ne pas prendre pour femme les filles de ces nations païennes qui étaient autour. Alléluia. Amen. Et de ne pas prendre ni pour leurs fils des filles, ni donner leurs filles à ceci. Amen. Alléluia. Voyez la doctrine de Balaam. Le Seigneur dit qu'il y a des gens qui sont là, comme dans l'église. Aujourd'hui, tu peux voir des gens qui disent non. Mais l'homme là, tu dis qu'il est catholique. Oui, mais tu peux l'accepter. Vous allez vous marier et puis il va se convertir. Ou bien il te dit non, moi, Satan peut être dans sa religion. Moi, je suis catholique, toi, tu restes. Ok. Puis il te dit toi, tu restes pour des gens, mais toi, tu restes évangélique. Ok. Amen. Il dit, sa cœur est dans son église, mais on peut se marier, il n'y a pas de problème. Et puis, quelqu'un d'autre dans ton église t'encourage pour dire, non, tu passes ce mariage. Alléluia. Amen. Ça, c'est un prière d'assoppement. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu crois au Dieu pourriement, à la scène opine. Alléluia. Quelqu'un vient de dire, non, on peut se marier, et puis, toi, tu te dépouilles, et puis, moi, je m'habille comme je veux. Je veux mettre un pavé sur moi. Je veux mettre tout ce que je veux voir. Alléluia. Amen, amen. Ta maison va être. Amen. Après, tu donnes ton témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ou bien je vais partager ça. Alléluia. Alors, c'est un homme qui voulait de notre bien-aimé. Alléluia. Qui rentre avec les trucs. Parfait, alléluia. Il s'est dit, être appelé, alléluia. Il n'avait pas de vie de prière. Amen. Et lorsqu'il rentre, alors, la sœur ne connaissant pas à ce moment tous ces éléments de vérité, alléluia, il avait une sang, il était libre. Ok? Les yeux dormaient là-bas. Amen. Quand il dormait, hein, quand ses frères dormaient là-bas, elle voit que les yeux de semblent sont éclairés, mais là-bas, il y a le noir. Amen. Il y avait le noir. Imaginez, ça veut dire qu'elle a voyagé entre la lumière et les ténèbres. Entre Christ et Bélial. Amen. 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 Que personne ne t'encourage à dire non, même si lui est musulman, tu peux te marier à lui. Même si lui il est catholique, tu peux te marier à lui. Amen. C'est un pied d'achoppement. Alléluia. Amen, amen. Amen.
pendant que tu peux l'arrêter, n'entre pas dedans. Alléluia. 18 à 28. Lévi de Thyatire. Dis, voici, verset 18. Écris à l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain en arbre. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Le Seigneur dit, quand il a ses promesses là, amen. Les œuvres maintenant qu'il est en train de faire là, sont plus nombreuses que les premières. Au moins l'appréciation. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire qu'il s'est davantage engagé dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, mais ce que j'ai pour toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner sur lui mes serviteurs, pour qu'il se livre à l'impunité et qu'il mange des biens sacrifiés aux idoles. Jésus dit, l'église là, ils ont laissé des femmes qui se disent prophétesses, alléluia, enseigner. Amen. Et en le faisant, ils vont séduire son peuple, amen, à l'impunité et à manger les biens sacrifiés aux idoles. Alléluia. Il y a des églises qui ont bien les éléments de la sainte doctrine. Alléluia. C'est beaucoup d'éléments de la sainte doctrine, mais aussi qui vont autoriser que la femme enseigne. Alléluia. Amen. Et le Seigneur le voit ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente et qu'elle ne veut pas se repentir de son impunité. Vous savez, il y en a, oui, le Seigneur a accordé les dons spirituels, alléluia, et elle prophétise, elle enseigne, amen. Il y a, et puis elle prie, il y a des miracles, il y a des guérisons, alléluia. Amen. Et qui va se dire, Dieu avec moi, Dieu m'a fait. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu n'appelle pas une femme au ministère d'autorité. C'est-à-dire, être pasteur, être docteur, être apôtre, être évangéliste. Alléluia. C'est-à-dire, avec le ministère d'enseignement, Dieu n'appelle pas une femme à ça. Alléluia. Amen. Aucune femme dans la Bible n'a été apôtre, n'a été pasteur, docteur. Alléluia. Amen. Amen. Il dit. Le Seigneur dit qu'il a laissé le temps pour qu'elle se repente. Alléluia. Mais malheureusement, pendant ce temps-là, beaucoup trouvent que, mais c'est trop lourd. Elle ne veut plus avancer. Alléluia. Amen. Et c'est pas si bien du tout. Mais le Seigneur dit quelque chose. Il dit, voici, je vais le jeter sur un lit. Envoyez une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leur œuvre. Qu'est-ce que c'est qu'on met l'adultère avec elle? Alléluia. Et celle qui soutient, alléluia, dans son également. Alléluia. Qui écoute ses enseignements. Amen. Ceux qui sont séduits par ses jupes, alléluia. Par ses rondeurs. Alléluia. Le Seigneur dit, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. À moins qu'elle ne se repente de leur œuvre. Amen. Je ferai mourir de voir ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à certains selon ses œuvres. Alléluia. Je vais faire mourir ses enfants. Alléluia. Ses enfants-là. Alléluia. Amen. Amen. Il dit à vous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Alléluia. Le Seigneur
avoue qu'ils n'avaient pas connu cette doctrine et qu'ils n'ont plus de pas accepté cette doctrine. Qu'ils ne reçoivent pas cette doctrine. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas à ce que l'enfant enseigne. Alléluia. Ils n'acceptent pas ça. Ils avouent qu'ils n'ont pas connu la profondeur de Satan comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. Amen. Le Seigneur, que vous avez retenu ça jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Tu ne vas pas renoncer à l'enfant. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 26. Dis à celui qui viendra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je donnerai autorité sur les anciens. Le Seigneur Jésus dit, lorsque tu gardes, alléluia, tu persévères jusqu'à vaincre. Amen. Parce que les épreuves, les persécutions, les tribulations que nous voyons sur le chemin, amen, ce sont des ennemis de notre marche dans la foi. Ce sont des ennemis de la foi. Alléluia. Que toi et moi, nous sommes appelés à vaincre. Nous sommes appelés à triompher sur eux. Alléluia. Et le Seigneur dit, lorsque nous allons vaincre, en gardant jusqu'à la fin ses œuvres, les bonnes œuvres, alléluia, que lui veut que nous accomplissions, amen, lorsque nous continuons à accomplir, il dit, il nous donnera autorité sur les nations. Alléluia. Quand il viendra, il va donner autorité sur les nations. Et il va te donner, alléluia, il va établir une nation, il peut établir une nation comme roi. Alléluia. Sur une ville. Amen. Alléluia. Nous avons régné avec Christ. Vous le savez? Amen. La ville, nous régnerons avec lui. Il ne faut pas penser que, alléluia, c'est seulement au ciel, hein, sur la terre. Alléluia. Parce qu'après l'enlèvement, après la grande tribulation, le Seigneur, lorsque nous serons enlevés, nous allons régner avec le Seigneur. Amen. Dans le millénium, nous allons régner avec le Seigneur. Alléluia. Et nous le mourrons. Nous serons déjà revêtus de mortalité. Amen. Nous serons déjà revêtus l'incorruptibilité. Alléluia. Nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. À ce moment, le royaume des nations sera détruit. Il viendra détruire ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu dois persévérer. Tu ne dois pas abandonner la foi. Amen. Verset. Il dit, il les mettra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi aussi, je l'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a les oreilles attende ce que l'Esprit dit pour Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ça ne finit pas là parce qu'il y a un autre élément que le Seigneur reproche. Parmi ces éléments, tu peux te voir dans quelque chose. Et là, le Seigneur t'appelle à ce que tu t'arranges à ne pas abandonner la foi. Alléluia. À ne pas faire de frais de foi. Alors, allez, c'est pas. Le verset de la foi. Il parle à l'église de Sardes. Sois vigilant, merci de. J'ai permis le reste du épreuve de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites de mon Dieu. Alléluia. Le Seigneur reproche à cette église, il dit, sois vigilant. Bon, on va lire le verset. Lis le verset. Et puis alors, c'est l'église de Sade. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Ami, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu. Et les sept étoiles. Les sept étoiles. Je connais tes œufs. Je connais tes œufs. Je sais que tu passes pour être vivant. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant. Alléluia. Et quand tu marches à les gens, tu es encore vivant. Alléluia. Tu le connais. Il dit, tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est prêt de mourir. N'attends pas que la mort arrive totalement. Alléluia. N'attends pas.
pas que la mort physique t'arrive et que vraiment je pense que Dieu n'est pas vivant. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Si je n'ai pas trouvé tes choses parfaites. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ah. On nous dit que l'homme ne peut pas être parfait. Mais on nous dit dans les écrits là-bas, que lui n'est pas fait. Alléluia. Amen. Jésus dit, je n'ai pas trouvé tes choses parfaites. Si encore je n'ai pas parfait, il y a un problème. Alléluia. Amen. Et on va dire, ah. Qui peut être parfait. Alléluia. Le Seigneur nous dit, soyez parfaits car votre Père Céleste est parfait. Il nous jette un père à avancer dans la perfection. Alléluia. À nous perfectionner de jour en jour. Alléluia. Et la Bible dit, celui-là qui nous a appelé, c'est lui-même qui le fera. Amen. Devons compter sur lui. C'est avec son esprit que nous le ferons. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui a son niveau de perfection. Il veut que toi et moi nous appuyons. Amen. Oh. Nous devons courir vers ça. Oui. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Mm. Et garde et reprends-toi. Si tu ne viens pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne seras pas à quelle heure tu viendrai sur toi. Dis, rappelle-toi comment tu as reçu et attendu. La parole de Dieu qui a reçu que tu as attendu. Dis, rappelle-toi comment tu as reçu et attendu. Alléluia. Oui. Non, c'est toujours là-bas. Alléluia. Il dit, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai. Jésus dit, si tu ne veilles pas, je viendrai où? Que tu veilles ou pas, je viendrai. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne sauras pas à quelle heure. Je viendrai sur toi. Amen. Donc il te faut veiller. Amen. On ne veille pas en dormant. Alléluia. On veille dans la prière. On veille dans les jeûnes. Alléluia. On veille dans la sainteté, dans la dynamique de la sanctification. Alléluia. Amen. Amen. On ne peut pas veiller aussi si on n'évangélise pas. Alléluia. Amen. Ça fait partie des œuvres. Alléluia. C'est des jours que le Seigneur veut que nous accomplissons. Si ça marche, ça veut dire qu'il y a des points où le Seigneur dit que là, c'est pas parfait. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Il dit cependant. Cependant, tu as assemblé quelques hommes. Mmh. Qui a assemblé quelques hommes? Ils n'ont pas su leurs vêtements. Alléluia. Avec un vêtement blanc. Jésus dit à ça, à l'église là, il y a des gens qui n'ont pas sué leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs. Alléluia. Voilà Jésus, que le Seigneur t'accorde, nous accorde à chacun à marcher en vêtements blancs avec lui, mon Dieu. Alléluia. Donc tu dois être aussi sacré sur tes amis. Voir ton état spirituel. Alléluia. Amen. L'état spirituel de ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que le Saint-Esprit te reproche? Que ta propre conscience te reproche? Alléluia. Que les gens te reprochent? Amen. Parce que lorsque les gens te reprochent quelque chose, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Amen. Pour rentrer en toi-même. Ne dis pas c'est faux. Ne dis pas on m'accuse. Alléluia. Amen. 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 On dit souvent que la faute de l'homme, c'est derrière lui. Alléluia. Ça dit quoi? L'homme ignore. Amen. Et la Bible dit qu'il connaît ses égarements. Pas vraiment de ce qu'il ignore. Ça dit qu'il y a des péchés également. L'homme ignore qu'il s'égare dedans. Alléluia. Il ignore que c'est péché. Mais lorsque les gens te répètent, alléluia, que y a, toi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, il faut revoir ça. Alléluia. Il ne faut pas que ça soit un moyen pour t'empêcher d'aller au ciel. Amen. Il faut voir, est-ce que ceux qui sont en train de dire là, le Saint-Esprit ne le dit pas. Amen. Parce que la Bible dit, devant être irréprochable, irrépréhensible. Amen. Saint, devant le Seigneur, sans tasse. Alléluia. Ni rire.
Alléluia. Il ajoute sa vie à cette nation digne. Il doit marcher de manière digne avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Il dit, je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père, devant ses anges. Alléluia. Ça dit quoi? Dans l'éternité, le Seigneur va le reconnaître comme étant son disciple. Amen. Comme étant son fils. Alléluia. Mais lorsque tu le réunis sur la terre, il te réunira. Dans l'éternité, il ne va pas reconnaître les frères. Alléluia. Que le Seigneur t'engage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. 8 à 12. 8. Il parle à l'église de Philadelphie. Amen. Je viens à Paris de verset 7. Écrit à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de la ville. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Ah, une église où il n'y a pas beaucoup de miracles. Ça parle de puissance. Il dit, tu as peu de puissance. Alléluia. Il dit, tu as gardé ma parole. Il dit, mais tu as gardé autant ma parole. Alléluia. Tu es resté fidèle à la parole. Alléluia. Il dit, tu n'as pas renié mon nom. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Oui. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se dit juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaîtront que je t'ai aimé. Amen. Celui qui garde la promesse de la parole sera ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Celui qui garde la parole de Dieu fidèlement, maintenant fidèlement, et celui qui va amener ce qui se dit chrétien, qui se dit juif, qui ne le sont pas, qui manquent, qui va les amener ce procès. Alléluia. Amen. Et fais connaître que vraiment lui t'a aimé. Alléluia. Amen. Du passé que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, il y a heure de tentation qui va arriver. Il y a une tribulation qui vient, mais je vais te garder, je vais te prier.